Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast La vie suffit. Aujourd'hui, dans ce tout nouvel épisode, j'ai envie de vous emmener dans un breathwork, une respiration pour vous apaiser, libérer les tensions, libérer toutes les choses qui vous encombrent au quotidien, corporellement, psychologiquement, physiquement, énergétiquement, et vous recharger, déployer votre rayonnement, déployer votre lumière. Donc n'hésitez pas à réécouter cet épisode quand vous êtes dans un endroit calme, dans un moment où vous avez le temps de faire cette respiration en entier. Je suis Chloé Bloom, entrepreneur aux multicasquettes, et chaque jeudi, je vous partage les réflexions, les phases d'introspection, les clés qui, selon moi, permettent de vivre notre vie plus pleinement et de trouver plus d'épanouissement. Chaque épisode est une invitation à exprimer encore plus librement toutes les parts de vous. Si cela vous plaît, je vous invite à partager les épisodes à vos proches qui en ont besoin, ainsi que laisser une jolie note et un commentaire si vous souhaitez soutenir le podcast. Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cet épisode. J'ai envie de vous proposer aujourd'hui une pratique. Alors je propose régulièrement des méditations sur ce podcast et je sais que vous adorez ça. Donc il y en a plusieurs qui sont déjà disponibles à côté de cet épisode si vous avez envie de les écouter. Sur les pensées qui sont stressantes, comment on va les chasser, comment on va retrouver de la sérénité, etc. Aujourd'hui, j'ai envie de non pas vous guider dans une méditation, mais plutôt dans une respiration. Ma méthode à moi, c'est de faire des respirations en même temps qu'on va pratiquer des visualisations qui sont aussi du coup des pratiques énergétiques et qui vous permettent en fait de rentrer dans des états méditatifs qui soient profonds, dans des états de conscience modifiés. Voilà, donc c'est une forme de respiration qui est accessible absolument à tout le monde. Il n'y a pas de contre-indication particulière. Je vous conseille simplement en fait de vraiment pouvoir écouter cette respiration et de pouvoir la faire avec moi en même temps que je vous guide. Dans un moment où vous êtes apte à le faire, donc on peut le faire le soir, on peut le faire le matin, on peut le faire à la place d'une méditation. Vous pouvez la faire dans le métro si vous voulez aussi, c'est pas un souci. Vous pouvez même la faire les yeux ouverts en fait, c'est vraiment pas du tout un problème. Faites-le simplement quand vous voulez, quand vous sentez que vous avez besoin d'évacuer un peu vos tensions, et puis vous pouvez la faire aussi souvent que vous en avez besoin. Donc si vous voulez l'intégrer tous les matins à votre routine, il n'y a absolument aucun souci. Pour votre info, ce type de respiration, c'est des pratiques que moi j'ai dans mon quotidien depuis longtemps. Depuis plusieurs années, de combiner des méditations profondes, des respirations, des musiques comme celle que j'ai utilisée aussi en fond là, d'un artiste en plus que j'aime beaucoup qui s'appelle Remco Arendt, mais on vous mettra le lien dans la description. Donc c'est avec des sons binauraux qui vont aller activer certaines zones du cerveau en particulier et qui favorisent justement les états de conscience modifiés. Et en fait, ces pratiques-là dans mon quotidien, moi, c'est aussi des choses qui me permettent de relativiser, d'avoir plus conscience de ce que je suis en train d'expérimenter, de mieux libérer mes émotions et en vraiment de prendre soin de moi. C'est une hygiène énergétique, une hygiène physique, une hygiène corporelle, une hygiène émotionnelle aussi, en gros. Même si j'aime pas ce terme parce qu'on a l'impression qu'il faut qu'on se lave de nos émotions, c'est pas du tout le cas. Mais voilà, c'est vraiment un moyen de prendre soin de soi sur tous les plans. Et pour ceux qui connaissent pas, si jamais vous avez envie de vraiment approfondir ce travail et que vous avez envie d'intégrer dans votre quotidien des pratiques respiratoires et méditatives, le tout premier programme que j'ai créé il y a quelques années s'appelle Conscience Créatrice et c'est un programme qui combine tout ça. C'est un programme qui combine l'apprentissage de l'introspection, le breathwork et la méditation. Donc c'est vraiment une combinaison de pratiques et d'apprentissage théorique. Cette semaine, il est en promo, en réduction. Ça fait très longtemps qu'il n'a pas été en réduction, mais vu qu'on a eu pas mal de demandes, on a voulu le mettre en réduction cette semaine. Donc, vous avez encore quelques heures pour pouvoir en profiter. Il est à prix réduit. Le lien est dans la description de l'épisode. Et en gros, Conscience Créatrice, c'est vraiment tout le cheminement. Comment est-ce qu'on va vous apprendre pas à pas? En fait, c'est vous qui allez vraiment apprendre à faire ça. Le cheminement pas à pas pour apprendre à introspecter, apprendre à développer sa conscience de soi, sa conscience tout court aussi, comment est-ce qu'on va prendre conscience de nos schémas répétitifs, comment est-ce qu'on va apprendre à s'aimer, comment est-ce qu'on va apprendre finalement à développer sa perception de soi, son amour de soi, se remettre un peu aux commandes de sa vie et reprendre en fait en main, entre guillemets, son pouvoir créateur. C'est pour ça que j'appelle ça Conscience Créatrice. Donc vous avez plein de vidéos théoriques et plein de vidéos introspectives, vous avez plein d'exercices écrits introspectifs et plein de pratiques. Dans chaque chapitre, vous avez des méditations qui sont très puissantes et qui peuvent être même longues pour certaines, et des breathwork qui sont différents, donc des travails avec la respiration différente en fonction de l'effet souhaité. Voilà, tout est dans la description de l'épisode, je vous laisserai aller voir ça. Et on se retrouve pour cette respiration. Alors cette respiration, elle va se faire uniquement par le nez. Donc vous gardez la bouche fermée, vous respirez simplement par le nez. Donc si vous êtes enrhumé, ben, vous la faites un peu plus tard. Vous pouvez la faire les yeux fermés, vous pouvez la faire les yeux ouverts, vous pouvez la faire debout, vous pouvez la faire allongée, vous pouvez la faire assise. En fait, ce qui compte, c'est simplement que vous soyez dans un moment où vous vous sentez prêt à le faire, concentré, parce qu'il va falloir vous concentrer. C'est pas une pratique qui va durer très longtemps. Vous allez voir que la musique a un effet assez particulier parce qu'elle va vous permettre de rentrer dans cet état de concentration et de détente qui est profonde. Et c'est une respiration pendant laquelle, en fait, l'idée, c'est qu'on aille libérer plein de petites choses qui vont vous encombrer. Il y a les pensées négatives, entre guillemets, même si j'aime pas trop ce terme-là, mais c'est plutôt toutes ces petites choses, ces émotions que vous trimballez, peut-être ces angoisses, les soucis, les tracas, des énergies qui sont pas forcément à vous, des petits résidus, des petites particules, plein de choses en fait que vous trimballez qui peuvent un peu vous alourdir. Donc l'idée, c'est vraiment de ressortir un peu plus léger. Et encore une fois, il n'y a rien à réussir. Donc si jamais vous sentez que, entre guillemets, vous n'y arrivez pas du premier coup, c'est-à-dire vous sentez que vous n'arrivez pas à vous mettre dans cette respiration, c'est pas grave en fait, c'est pas grave du tout. Avec la pratique, ça va vraiment s'améliorer avec le temps. Et c'est aussi normal si vous n'arrivez pas à tenir les temps que je vais guider dès le premier coup. En fait, on a tous des capacités respiratoires différentes. Et quand on n'a pas l'habitude de faire des exercices de respiration, on peut avoir du mal à tenir ces respirations, à tenir les tempos, à tenir les temps. Donc je vous recommande vivement, si vous avez vraiment du mal, à le faire encore plus souvent, à faire conscience créatrice aussi pour justement réguler votre système nerveux, apprendre à re-respirer profondément et à libérer les émotions aussi quotidiennement. Je vous laisse vous installer. Je vous laisse prendre une grande inspiration par le nez. Et relâchez par la bouche, tout simplement. Fermez les yeux si vous le voulez. Concentrez-vous. Et c'est parti. Prenez à nouveau une grande inspiration par le nez et expirez par la bouche. Videz, 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 videz vos poumons, relâchez. Encore une inspiration par le nez et relâchez par la bouche. Et vous pouvez maintenant fermer la bouche. Et vous allez inspirer en 4 temps. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uniquement par le nez. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Expirez par le nez, détendez tout le corps. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Expirez par le nez profondément. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez en 4 temps. 2, 3, 4. Expirez par le nez encore et détendez tout le corps. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Continuez en inspirant en 4 temps. Expirez en 8 temps. C'est vous qui faites les comptes. Allez-y à votre rythme. On reste sur une inspiration en 4 temps et une expiration en 8 temps. Parfait. Continuez. À chaque inspiration, vous venez remplir profondément vos poumons. Et à chaque expiration, vous venez dissoudre, apaiser, dénouer les tensions qui se situent sur votre crâne, derrière les oreilles. Détendez la mâchoire, la langue, détendez le cou, la nuque, les trapèzes, les épaules. À chaque expiration, continuez à détendre la poitrine, le dos. Et puis continuez à détendre le ventre, les hanches, les fessiers, les cuisses, les mollets, les pieds. Continuez à chaque inspiration à remplir vos poumons profondément. Faites le plein d'air. Faites le plein de cette énergie à chaque inspiration. Et à chaque expire, continuez à détendre les épaules, les bras, les mains, jusqu'au bout des doigts. Continuez à inspirer en remplissant tout votre réservoir d'énergie. Le ventre, les poumons, la poitrine. Et à chaque expiration, laissez-vous dissoudre, apaiser toutes les tensions. À chaque inspiration, vous sentez que votre respiration se fait de plus en plus pleine, de plus en plus fraîche. Et à chaque expiration, vous sentez que vous êtes de plus en plus ancré, de plus en plus détendu, de plus en plus détendu. À chaque inspiration, vous sentez votre lien au ciel se tisser. Et à chaque expiration, vous sentez votre lien à la terre se tisser. Gardez votre respiration, inspirez en 4 temps et expirez en 8 temps. Des grandes respirations profondes. Parfait. Et vous pouvez ressentir votre lien au ciel et votre lien à la terre qui tout doucement commence à former un grand fil d'or qui vous traverse des pieds à la tête. À chaque inspiration, vous sentez ce fil d'or vous traverser. Et à chaque expiration, vous le renforcez encore plus étincelant, encore plus précis, encore plus visible. Prenez tout votre temps. Tissez-le, visualisez-le, ressentez-le. À chaque inspiration, vous sentez le souffle parcourir ce fil à l'intérieur. Bas en haut, et à chaque expiration, vous sentez le souffle parcourir ce fil de haut en bas. Et puis tout doucement, vous allez élargir ce fil. Tout doucement, à chaque inspiration, le fil s'élargit pour former un petit tube. Et à chaque expiration, vous le visualisez encore mieux, encore plus précisément, encore plus fort, encore plus brillant. À chaque inspiration, vous voyez ce petit tube s'agrandir. Et à chaque expiration, vous pouvez le sentir se solidifier. Et en douceur, à votre rythme, vous allez venir chercher toutes les petites énergies désagréables dans votre corps dont vous n'avez plus besoin et les ramener dans ce petit tube qui va les renvoyer à la terre. À chaque inspiration, vous allez chercher les petites particules d'énergie, les lourdeurs, les petites toxines, partout dans vos extrémités, derrière votre tête, le long de votre colonne vertébrale, dans votre ventre, toutes les choses que vous avez envie de renvoyer à la terre, toutes les choses dont vous avez envie de vous libérer. Les pensées envahissantes, le stress, la lourdeur, toutes les tensions, allez les chercher à chaque inspiration. Et à chaque expiration, elle glisse dans ce tube et elle s'évacue vers la terre. À l'inspire, vous allez déloger toutes ces petites toxines, toutes ces petites tensions, et à l'expire, vous les laissez glisser vers le bas, vous les renvoyez à la terre, vous les évacuez et vous les libérez. Prenez tout votre temps. Quand vous sentez que vous êtes plus léger, que ce qu'il y avait de plus gros à évacuer a été évacué, que vous aviez libéré les tensions principales, à chaque inspiration, vous allez refermer ce tube et à chaque expiration, vous allez renforcer ce fil d'or. Le tube se rétrécit petit à petit. Et vous gardez ce fil d'or qui vous traverse de la tête aux pieds. À chaque inspiration, vous restez dans cet axe vertical, dans cet alignement. Et à chaque expiration, vous vous détendez. Vous pouvez sentir que c'est votre place. Vous pouvez vous sentir confiant et détendu. Gardez votre respiration, inspirez en 4 temps, expirez en 8 temps. Et maintenant, à chaque inspiration, vous pouvez visualiser une lumière blanche, rutilante, puissante, magnifique, qui entre par votre nez avec la respiration. Vous l'amenez jusqu'à l'espace du cœur. Et à l'expiration, vous la grandissez. Vous la laissez grandir. Encore, faites-la briller. Rendez-la large, dynamisez-la. À l'inspire, vous amenez cette lumière blanche jusqu'à l'espace du cœur. Et à l'expire, vous la grandissez, vous la faites rayonner encore plus, encore plus. Chaque inspiration amène cette lumière blanche dans votre espace du cœur. Et à chaque expiration, la lumière blanche s'étend encore et encore jusqu'à vous envelopper tout entier. agrandissez-la et laissez-vous être dans ce bain de lumière. À chaque inspiration, vous sentez cette légèreté, cet amour, cette sérénité qui rentre jusqu'à l'espace du cœur. Et à l'expiration, vous vous laissez baigner dans cette lumière. Et quand vous sentez que vous êtes dans un bain de lumière agréable, chaud, vibrant et qui vous détend, prenez quelques respirations pour profiter, pour savourer. Prenez ces quelques respirations pour poser une intention pour la journée, pour la semaine, pour l'année. Puis une gratitude aussi, pour votre journée, pour une relation, pour un événement. Prenez une grande inspiration une dernière fois. Expirez en 8 temps. Et tout doucement, ramenez du mouvement dans les mains, dans les doigts, dans les orteils. Prenez une grande inspiration par le nez. Encore, 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 encore. Remplissez tout votre réservoir et relâchez par la bouche en entier. Videz, videz, videz. Remettez du mouvement. Vous pouvez vous étirer, cligner des yeux si vous aviez les yeux fermés, bouger, rire, sourire, écrire. Et tranquillement revenez à une respiration normale. J'espère que cette respiration vous a plu. J'espère que vous vous sentez plus détendu, plus léger, plus reconnaissant. Cette respiration, c'est un excellent moyen de vous protéger, de rayonner, de relativiser et de déstresser aussi si vous vivez un pic de stress. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me partager vos ressentis et comment vous vous sentez. N'hésitez pas non plus à vous filmer ou à prendre des photos en train de faire cette respiration et me taguer en story, comme ça, ça me permet de vous voir et de voir dans quelles circonstances vous faites ces respirations. J'adore, parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui le font même en plein milieu du métro, il y en a qui le font chez eux en méditant, il y en a qui le font avec les enfants, donc c'est toujours super cool de pouvoir vous voir pratiquer. J'espère que ça vous a plu. Si vous en voulez plus, sachez que, voilà, encore une fois, dans le programme Conscience Créatrice, il y a tout ça. Visualisation, méditation, respiration, plus toute l'approche introspective assez puissante. De mon côté, je vous embrasse très fort. Et puis, si jamais ça vous a plu, évidemment, j'en referai d'autres avec un immense plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Bye bye!